Bienvenue sur ma chaîne Inde et Radombi. Aujourd'hui, je vais te parler des productions Mike Yell. Pourquoi je vais parler de Mike Yell? Parce que je vais avoir enfin un putain de site internet de marde. Enfin, je vais en avoir un. Après toutes ces années que je parle que je vais en avoir un, après tout le temps que je le dis que je vais en avoir un jour, ça va être le jour qui va arriver cette année, vraiment. Faut que je réserve mon .ca, mettons amdradionruby.ca ou un affaire de même. Et je vais lui régler pour 5 ans, genre. Comme ça, j'aurai pas rien à faire pendant 5 ans. Tout va être nickel. Il va être online pis tout. Je sais que c'était une très bonne idée de faire affaire avec ce gars-là parce que il m'a donné son numéro de téléphone personnel et déjà là, c'est du excellent service. On a parlé 1h25 un peu de tout et n'importe quoi. On a parlé de la Switch, de la Xbox, du gaming, etc. Mais on a aussi parlé de mon site internet. Et je peux te dire 3 choses, ok? Ça va être un site qui va me refléter moins. C'est-à-dire que, genre des artworks de Resident Evil, de Zelda, etc. Vraiment, de mon style à moi. Pas son style à lui, pas le style du voisin, pas le style, mettons, de Microïd. Mon style à moi, à moi, à moi, à Bibi, ok? À moi. Bref, ça va me refléter moi. Les deuxièmes, ils vont un carré pour ma vidéo que je vais mettre en avant de YouTube. Ils vont aussi un carré pour garder mes futurs streams Twitch sur la Xbox. Alors, tu vas pouvoir regarder en direct mes vidéos, mon stream de mon site internet. C'est un gros plus parce que j'utilise peu Facebook pour ma page Facebook. Je vais en faire un autre après 4. Là, c'est officiel, je vais avoir une page Facebook, je vais avoir un compte Twitter, je vais avoir un compte Instagram, un compte YouTube. Dailymotion, il me sert plus vraiment à grand chose. Mais ça va me servir à une porte de sortie, mettons, pour du backup. Parce que j'ai déjà pensé, c'est pas si tu t'en rappelles, j'avais déjà pensé de quitter YouTube. Mais bon, c'est pas viable pour moi quitter YouTube. Bref, production Michael. Qu'est-ce qu'il fait de bon? Il héberge, il fait des sites internet, et il fait aussi du montage vidéo. Ça, peut-être qu'il pourrait m'aider à faire une banderole YouTube. Enfin, m'aider à quelqu'un faire ça, si. Après toutes ces années-là, qu'on m'a fait miroiter une banderole pour YouTube, il n'y en a jamais eu, par contre. Non. L'ami qui avait promis, il n'a pas tenu sa promesse. Non. Estique. Bref, je la trouve pas drôle, mais lui, Mike, il est un gars sympathique. Malgré qu'on soit à l'opposé total de nos convictions, mettons, politiques, on en a parlé pareil, même s'il voulait pas au début, mais bon. Ça c'est à avouer qu'on a eu beaucoup de points communs, malgré que moi, je sois, mettons, d'un côté, puis que lui, soit de l'autre, tu comprends? Il y a des idées qui se sont rois, il y a d'autres non. Mais bon, le sujet principal, ce fut l'hébergement, puis mon site web. Bon, il va y avoir une adresse qui va être probablement indradionruby.com. .ca ou un affaire de main, je vais déposer mon site internet, va être protégé. Je n'ai pas de crainte que Mike Yell va pas faire du très mauvais travail. Je suis sûr qu'il va faire un excellent boulot. J'ai vu un peu qu'est-ce qu'il y a là sur cet internet, puis il est pas mal très beau. C'est pas ce qui fait de plus. Wow, my god! Mais par contre, je demande pas perfection. Rien n'est parfait dans ce bon monde. Rien n'est parfait. Moi, je suis pas parfait. Bref, le lien, il va être dans la description YouTube parce que je m'apprivoise avec mon Galaxy S7, comment ça marche pis tout. Bref, tu vas pouvoir en apprendre plus sur lui avec en cliquant sur le lien web de son site web plutôt. Le lien internet plutôt de son site web. Bref, abonne-toi, partage, commente et like ma vidéo. C'était Andy Radombi. Bonne semaine à tous. Et principalement à Mike et à Charles77, mon bon vieux Charles. Mon Charles77, celui qui je comprends pas.
Pas pourquoi qui m'aime autant. Pourtant, je suis un YouTuber comme une autre personne, mais bon, ça me fait du bien d'avoir des jeunes enfants qui aiment mon travail puis qui ne trollent pas. Parce qu'avant, les enfants, je les mettais pas mal à la porte puis je les laissais de côté. Mais bon, Charles, j'ai deux, trois jeunes puis c'est des exceptions. Ça me redonne foi en la jeunesse. Parce qu'au début, j'étais plus du style genre 16 jusqu'à 35 ans. Mais bon, si je peux avoir des enfants, des 10, 12, 13, 14 ans, 15 ans, je ne cracherai pas là-dessus. C'est des abonnés de plus. Et c'était tout pour aujourd'hui. Adios. Bye.